vraiment l'aluminium dans la vie de l'homme. La recette qui va donner vraiment la force, c'est de ça que je partage. Voilà, c'est de ça que je partage. Être heureuse dans la vie, être contente dans la vie, même si tu ne serais pas comme des milliardaires, mais tu n'aurais pas besoin de tendre ta main dans la main d'une autre personne. Tu dépendras de toi, pas grâce à Dieu, tu vas dépendre de toi. Dans la vie, c'est de ça. On ne doit pas toujours mettre à la, mettre toujours l'espoir avec quelqu'un. Il faut mettre l'espoir sur toi-même. C'est le plus important, la famille. Donc, c'est les récepteurs naturels qui donnent vraiment la vie de l'homme, qui rassurent vraiment la vie de l'homme, qui nous renforcent comme ça, c'est doit, mes chéris. C'est naturel. Voilà, c'est de naturel. La famille, c'est important. Donc, ça nous aide toujours, la famille. Ça aide beaucoup, la famille. Donc, voilà, qu'est-ce que vous allez faire, ces recettes-là? Ces recettes, c'est vraiment, vraiment très bien. C'est vraiment bien, la famille. Voilà, ça aide toujours le cœur, ça renforce, ça remue le cœur, ça rencontre toujours encore, ça donne toujours le lien. Voilà, ça donne toujours le lien des liens. C'est de ça que je partage, le lien de cœur. Voilà, donc vous allez voir comment ça se passe. La recette n'est pas basée de d'autres choses, la famille. C'est une recette naturelle qu'on mange, qu'on consomme, que Dieu nous a donnée. Dieu nous a fait, on la cultive sur nous vraiment, on fait comme ça se doit. C'est de ça que je partage, ces recettes sont toujours bien et naturelles. Voilà ce naturel-là, voilà ce du riz, vous le voyez la famille, donc voilà c'est de ça, du riz naturel. Quel que soit du riz, ça peut être la couleur là ou ça peut être blanche là, donc n'importe. L'essentiel, c'est que tu aies avoir du riz pour faire ta recette naturelle. Voilà, comment utiliser ces recettes, la famille? Tu prends du riz comme vous me voyez comme ça, la famille. Vous ajoutez de l'eau dedans. Voilà, quand vous ajoutez de l'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laver bien votre riz comme ça, mes amours, comme je viens de faire mes cœurs. Vous allez laver bien la famille. Voilà, proprement. Pour laver proprement la famille. Donc, vous allez ajouter l'eau comme ça, comme vous me voyez. Vous allez ajouter l'eau. Vous allez laver bien. Voilà, vous allez laver bien votre riz comme ça, qui va nous emporter du bien, qui va nous emporter du bonheur. Voilà, vous allez faire comme ça se passe, mes amours. Quand vous faites comme ça, c'est l'eau là que vous allez filtrer. Vous allez filtrer l'eau là comme ça, comme vous me voyez toujours. Voilà, vous allez chercher un bidon, voilà, 1 litre d'un bidon comme ça, vous cherchez, vous ajoutez votre l'eau que vous avez lavé du riz là. L'eau du riz, là, vous allez, c'est notre ça qui va changer la vie de nous, qui va nous donner vraiment, vraiment du bien, du lourd. C'est de ça que je parle. Quand vous allez finir comme ça, vous allez ajouter l'eau là comme ça. L'eau là, lavez le visage matin avant de sortir la famille. Lavez vos visages avec l'eau là. Lavez toujours le visage, voilà. Avant de sortir, mes amours, vous allez laver toujours avec l'eau là. Quand vous finissez, sortez maintenant la famille. Allez-y, parlez vos vœux. Dieu va nous voir, Dieu nous use avec le cœur, mes chéris. C'est très important, c'est très bien, ça aide beaucoup mes tatas, mes frères, c'est important. Le riz, tu ne jettes pas du riz, hein. Tu peux consommer, tu peux la manger encore. Juste, tu as besoin de l'eau. Ça, là, tu vas consommer, tu vas manger, ça ne te fait rien du tout. Voilà, juste l'eau, là, tu en as besoin. Voilà, tu te laves avec ça. C'est important. Tu laves le visage avec ça. Tu peux te laver avec ça. C'est très bien. Ça élimine les négatifs. Ça te donne repousse. Ça te fait briller comme l'étoile. Merci là-bas.